Tu serais bien aux grosses têtes. Ah, moi, je te. Jamais proposé. Je lui ai dit à bientôt aux grosses têtes, il n'a jamais répondu. Les Actuvars, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Il y a une émission quand même qui a marqué particulièrement votre parcours, c'est Rien à cirer. Ça, c'est formidable. Avec Laurent Ruquier, c'était sur France Inter, on est au début des années 90. Je suis content de te revoir. Vous aussi, Patrick, vous êtes content de revoir Laurent Ruquier? Ah bah, je suis très content de revoir Laurent Ruquier, surtout sous la forme de David, parce que j'ai bien connu à l'époque. Mais c'est vrai qu'il ne vous a jamais proposé de le rejoindre, on se va se gêner sur Europe 1. Non, Ruquier est un homme qui prend toujours du nouveau, du neuf. Ouais. Non, c'est vrai. Et pourtant, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans. Oui, bah, parce qu'il y a des amis de longue date. Moi, grosse tête. Oui, c'est ça. Tu serais bien aux grosses têtes. Ah, moi, je jamais proposé. Je lui ai dit à bientôt aux grosses têtes, il n'a jamais répondu. Et pourtant, je pense que j'aurai ma place là-bas, mais je fais pas. On est jeune. Oui. Non, je crois qu'on est deux mal alpha. Tout le monde fait, ça va faire rire tout le monde et surtout me concernant. Non, mais on était beaucoup en conflit déjà à l'époque et tout. Avec qui? Parce que je bâchais. Oui. Ça, mais et justement, c'est ça qui est bien dans cette émission. Ouais. Ça lui volait un peu la vedette. Ouais, un jour, je me rappelle qu'il y avait Gloria Lasso qui disait, mais alors évidemment tout le monde la chargeait, etc. Tout le monde disait, mais vous voyez, je suis sur tous les continents. Je dis, ben oui, d'un continent à l'autre. Dans le micro, Patrick. Je sors ça et Ruquier me regarde avec des yeux noirs, etc. Il m'a dit, tu as insulté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu avais fait deux minutes avant où il avait envoyé des salves assez. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu. Je pense, non, il n'y a jamais eu de grande. Moi, j'ai énormément de respect pour son travail. Je trouve que c'est un grand, grand professionnel. Grand bosseur, grand professionnel, très brillant, je veux dire. Ouais, mais très brillant. Mais pour le reste, non, je crois que ça n'a pas pu. Mais on est quand même resté 3 ans et demi ensemble, hein, je veux dire. Pas fait petit, mais on est ensemble. Resté 3 ans et demi en radio. Travail. Ah oui, d'accord. Travail. Voilà. Non, nous n'avions pas d'activité. Sinon, ce serait peut-être pour ça qu'il veut pas remployer ses ex. C'est Nicolas est l'animateur le plus facile à déstabiliser. Donc n'hésite pas à laisser une ambiguïté, il va plonger dedans.